rejoint par une belle et grande équipe, puisque aujourd'hui on est maintenant une quarantaine, alors installé à Lyon. Vous avez connu le livre scolaire? Eh bien, je pense comme la plupart des collègues, j'ai reçu un exemplaire dans mon casier, j'ai feuilleté. Je l'ai connu dans mon établissement parce que vous l'avez envoyé en spécimen. Sur internet, en cherchant des documents, je suis tombé sur le site internet. Après, du coup, j'ai regardé qui étaient ces gens. J'ai vu en collège, des collègues de collège qui l'avaient en français. Et là, donc, j'ai un de mes collègues qui est co-auteur et qui m'a invité à cette journée collaborative. J'ai regardé sur internet et tout ça, j'ai commencé à consulter un peu ce qu'on faisait sur internet. J'ai contacté par téléphone pour savoir comment on pouvait participer à cette aventure collaborative. Qu'est-ce qui vous a plu dans les manuels de livres scolaires? J'étais les seuls à proposer l'analyse du film Roméo plus Juliette que j'ai fait déjà moi avec mes classes. Je pense que c'était des manuels modernes, bien pensés, en phase avec mes philosophies d'enseignement. J'aime bien la démarche un peu originale du manuel qui change tous les autres. Des textes authentiques, beaucoup de numérique. L'idée de pouvoir relire, souvent on vient voir des manuels, on peut critiquer, on dit bah tiens, pourquoi ces questions-là, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a tel choix. Et là, au contraire, on devient acteur. Si vous pouviez imaginer le manuel parfait, qu'est-ce qu'il aurait? Dans le manuel de mes rêves, il y aurait une partie pour chaque élève. Et est-ce que le brunch vous a plu? C'était super. On a beaucoup échangé, j'ai appris donc, de mes collègues, on a bien échangé, c'était super sympa. Avec le petit quiz et tout, c'était bien. Parfait.